La répartition des affaires par commission a été adoptée à l'unanimité sans amende. 5 commissions ont été activées au cours de cette session, à savoir la commission économie et finances, entre parenthèses affaires numéro 1, 2 et 3, la commission environnement, santé et affaires sociales, entre parenthèses affaires numéro 5, la commission aménagement et affaires domaniales, entre parenthèses affaires numéro 4, la commission administration et affaires juridiques, entre parenthèses affaires numéro 7, la commission culture, arts, sports et loisirs, affaire numéro 6. Projet de délibération déclarant l'année 2022, année du premier centenaire de la création de la ville de Pointe-Noire et autorisant le bureau exécutif à investir une commission spéciale d'organisation du centenaire. Cette délibération a été adoptée à l'unanimité avec amendement. Par ailleurs, la commission, en examinant cette délibération, exhorte le comité qui sera mis en place à réfléchir entre autres sur le choix de la place du centenaire, l'implication des entreprises de la place et des personnes ressources, la réactivation des accords de jumelage de la ville de Pointe-Noire et d'autres villes, la construction du siège du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire qui sera considéré comme la plus grande réalisation du centenaire, l'obligation de rafraîchir les bâtiments publics et privés situés aux abords des grandes artères.